déjà levé. J'ai pas dormi. Comment tu savais que c'est avec une brique qu'on a frappé Léa? J'ai entendu. J'ai entendu Molina en parler au téléphone quand je suis venu témoigner. Il devait discuter avec le légiste. Je suis désolé, j'aurais pas dû donner ce détail. Ici sans Léa, c'est ça qui est dur. Pour vous deux et pour Zoé. Ouais, peut-être. Et Zoé, comment ça va? Est-ce qu'elle refait des cauchemars? Non, ça va. Enfin, en tout cas, on n'en parle pas. Et elle est où? Elle dort chez Louise. D'ailleurs, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, parce que Louise lui répète tout ce que disent ses parents. Elle est déjà assez perturbée comme ça. Moi, je crois plutôt que c'est Chris qui la perturbe. Bon, pourquoi tu dis ça? Elle est adorable avec Zoé. Chris, elle est adorable avec tout le monde, c'est ça le problème. Non, mais on dirait juste qu'elle veut tout faire pour être une Léa numéro 2. Pas eu de fil sur l'affaire Morel. À part Julien Morel qui a carrément piqué le dossier, je pense pas, non? Non, mais je veux dire de la maison. La plupart du temps, quand il y a des fuites dans la presse, ça vient toujours de la source.
Non, aucune information est sortie de ce bureau. Enfin, il n'y a rien eu dans la presse, là. Pourquoi vous me demandez ça? Pour rien. Bonjour. Bonjour, commandant. Bon, donc, en attendant, j'ai repris le listing des contacts de Jenny et il n'y a rien qui a un lien à part les numéros de Léa et Romain. Nicolas a été tué parce qu'il gênait. Il avait découvert quelque chose sur le meurtrier de Léa, donc sur celui de Jenny. Depuis le début, on cherche un truc entre Nicolas et Léa. Il faut chercher entre Nicolas et Jenny. L'enterrement de Nicolas, c'était il y a 3 jours. Et personne n'est venu. C'est pas encore officiel, mais on sait que Nicolas n'a pas tué Léa. On va avoir besoin de vous, Elodie. Ses affaires, ses papiers. J'ai pas le courage de les jeter. J'imagine que vous avez déjà regardé. Oui. J'ai cherché quelque chose qui pourrait l'innocenter ou au moins avancer l'enquête sur sa mort. Mais j'ai rien trouvé. J'ai essayé d'appeler, mais le numéro est plus en service, apparemment. C'est la carte de Jenny. Lundi 23h30, parking de la gare. C'est l'écriture de Nicolas? Non. Non, mais je pense que Thomas a raison pour l'appartement. Non, mais il va revenir, Julien, j'en suis sûre. Il faut du temps, c'est tout. Peut-être pas. Peut-être que c'est pas possible de continuer ensemble ici ou ailleurs. Mais tu l'aimes. Ouais, mais ça suffit pas. Enfin, ça suffit plus. Ensemble celui-là. J'étais tellement persuadée d'être une mère hyper cool. J'étais à côté de la plaque. Hein. Non, tu peux pas dire ça. T'étais comme tous les parents d'ado. Voilà. Je t'ai même pas dit merci. Pourquoi? Pour tout. Pour ta présence, pour tout. J'ai un truc à te dire, alors c'est pas le bon moment et de toute façon ce sera jamais le bon moment. Bah oui, vas-y, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis enceinte. J'ai rencontré un type. Une aventure d'un soir ou deux au plus, je sais pas, on verra, mais en tout cas, je garde l'enfant. C'est génial. C'est génial. Thank you.
t'inquiète pour toi, c'est tout. Tu réponds plus à mes messages. Tu me manques, Jean. Tout va s'arranger, je te promets. Laisse-moi encore un peu de temps. Ça va? C'est qui? Corinne, une commerçante du quartier. Elle a une boutique de déco. Papa, j'ai plus de 10 ans. Ouais, enfin... J'ai vu comment tu l'as regardée. Elle te plaît, non? Ouais. De toute façon, pour moi, c'est trop tard. Mais il est jamais trop tard. Complètement au scan de la carte. Regardez. Vos affaires et nous suivrons au commissariat. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Des questions à lui poser. Et le resto, je fais quoi? Ah oui, tu fermes, t'as qu'à dire que... Je sais pas, dis ce que tu veux. Mais rien à Chris.
Monsieur Morel, pourquoi vous ne nous avez pas dit que vous connaissiez Jenny? Est-ce que je la connais pas? Nous avons une de ces cartes professionnelles annotées de votre main. Les analyses graphologiques sont formelles. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Et c'est à vous de répondre aux questions. Ok, j'allais la voir de temps en temps dans sa camionnette. Elle était un de ses clients? Oui. Enfin non, c'était pas régulier. Je vous crois pas. Pourquoi? Ça vous étonne que j'aille voir une pute? Pourquoi vous en avez pas parlé alors quand Jenny est morte? Je voulais pas que Chris la prenne. Ça ne correspond pas à l'homme que vous êtes. Au père que vous êtes pour votre fille, à la relation que vous avez avec Corinne. Si vous nous disiez vraiment ce qui s'est passé. Quand il s'est rien passé, je sais pas de quoi vous parlez. Ça a à voir avec Léa, c'est ça? Je suis sûr que vous ne vouliez pas ce qui est arrivé. Et depuis, vous vivez un enfer. Par votre frère, tous les jours, avec son chagrin. Vous ne dormez plus. Vous n'allez pas tenir longtemps. Personne ne peut. Vous n'avez pas envie que ça s'arrête? Tant que son frère est en interrogatoire. Oui, oui, ben on lui fout la paix. Il reste le temps qu'il veut, faites passer le message. Ça marche. Cette nuit-là, Chris m'a appelé, comme je lui ai demandé, pour me prévenir qu'elle rentrait en taxi. Je sais pas, j'ai rien compris. Du coup, j'ai foncé chez moi pour être rentré avant elle et en passant devant la tête d'or, j'ai vu la voiture de Romain en sortait. Et Léa, qui partait dans le parc à pied. Il était tard, je n'avais pas laissé Léa seule dans le parc à 4h du matin. Je me suis arrêté. Je l'ai rattrapé. Thank you.
été furieuse après Romain et Chris. J'étais pas au courant de cette histoire. Je l'avais jamais vue comme ça. Elle était hystérique. Elle devait être défoncée à la cause. Alors, je l'ai secouée pour qu'elle se calme. Mais elle continuait. Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis devenu fou. Je l'ai frappée pour qu'elle arrête. Et elle est tombée. Pourquoi vous n'avez pas appelé les secours? Ne respirez plus. Léa. Elle était morte. Oh non. Oh non, c'est pas vrai. J'ai paniqué, je l'ai emporté jusqu'à Mirabel. Jamie, vous avez enterré le corps? Ouais. Elle est venue au restaurant un soir à la fermeture. Elle nous a vu aux infos avec Julien. Bonsoir. Elle voulait de l'argent. ...23h30. Parking de la gare. Je savais que le coup de fil depuis la gare arrêterait les fouilles dans le parc. Tati. Tati, c'est Léa. Tati, si t'es là, décroche. S'il te plaît, décroche. Tati. C'était la solution. Et Jenny? Ne lâchez pas. Elle avait décidé de partir de Lyon, mais elle voulait que je continue à lui envoyer de l'argent. Elle me menaçait, c'était plus possible. J'ai compris, je m'en débarrasserai jamais. Puis j'ai eu l'idée de mettre le portable de Léa dans le sac de Jenny pour brouiller les pistes. Et Nicolas? Parce qu'il avait compris pour Jenny.
Nous avions vu ensemble le soir où elle est passée au restaurant. Comment vous l'avez su ? Le jour où vous êtes venu nous interroger avec la photo de Ginny. Est-ce que l'un ou l'autre a vu cette femme traîner près du restaurant ou dans le quartier ? Non, jamais vu. J'ai bien vu que Nicolas Tiquet. Non, moi non plus. Il avait l'air surpris que je dise que je la connaissais pas. Toute la journée, il m'a observé. Et le jour de l'enterrement, il a vraiment pété un plomb. Il était fou de rage de ne pas être avec la famille. Il avait bu. Il menaçait de dire à Julien qu'il m'avait vu avec Jenny. Je te parle, Julien. Il faut que je te dise un truc. Ça suffit. Mais non, faut que je parle avec Julien. Oui, je sais. Julien. Mais attends. Faut que je parle avec Julien. Mais je dérange personne, je veux juste lui parler. Je sais. Tu vas rentrer chez toi. On parle ce soir tous les deux. Moi je suis chez moi ce soir. D'accord. On se voit ce soir. On se voit ce soir. Tu promets? Il n'y a pas de souci. Ok. Ça va. Bah je suis chez moi ce soir alors, vas-y. Et Nicolas est devenu le coupable idéal. J'ai plus le choix. Fini. Je te cherche. Qu'est-ce qui se passe? Papa, faut que tu me parles là. Dis-moi ce qui se passe.
chose à laquelle j'arrive à penser, c'est que... elle a pas eu le temps d'avoir peur. Au moment de mourir. C'était son oncle. Elle le connaissait. Elle a pas eu le temps d'avoir peur. Quand même, pas moins de 6 ou 7 mises en garde à vue en un mois avant d'arriver à arrêter le coupable, on a l'impression d'une enquête menée un peu au hasard. Écoutez, c'est une enquête qui n'a rien à laisser au hasard, au contraire. C'est le travail acharné et rigoureux des enquêteurs qui a permis d'aboutir aux aveux de Jean Morel. Commandant Molina. Un bon article. Ça ne se juge pas sur le nombre de lignes, mais sur le contenu. Pour les gardes à vue au cours d'une enquête, c'est pareil. Merci. Commandant Molina! S'il vous plaît, une autre question. Regarde-moi, Chris. Tu vas te calmer et m'écouter, ok? Calme-toi, s'il te plaît. Je peux pas. Tu vas prendre sur toi. Regarde-moi. Je veux plus que tu parles de tout ça. À personne. Il faut que tu tires un trait, tu passes à autre chose. Je veux plus que tu viennes me voir, jamais plus. Non, je refuserai de te voir si tu viens. Je refuserai de te voir. Alors maintenant que tu veux partir, Julien et Flo vont s'occuper de toi. Et moi je sais que t'iras bien. Que t'es dehors, et c'est ce qui me donnera la force de tenir, tu comprends? C'est pour moi que je te le demande. Ce serait trop dur, sinon. Et je t'aime, Chris. Plus que tout au monde. C'est la seule chose que tu dois pas oublier. Prends tes affaires de ski. J'en sais rien. S'il y a des trucs que tu veux laisser ici, Thomas, tu peux les laisser dans mon armoire. Hein. Oui, de toute façon, ça me dérange pas, tu sais, j'ai pas beaucoup de vêtements.
Par contre, cette affiche, si tu la veux pas, je la veux bien, elle est superbe. Je l'adore. Thomas ? C'est bon, tu peux la laisser. Ok. Ça va? Allez, à table. Vas-y, tu te mets là-bas, Chris? Ouais. Je t'ai vu, toi, Picorette. C'est cool que la place de Léa soit plus vide. Ce que t'es en train de faire avec Chris. De quoi tu parles? Tu lui donnes les affaires de Léa, sa place à table? Mais t'espères quoi? Tu veux qu'elle remplace notre fille? Mais attends, comment tu peux dire une chose pareille? Personne ne remplacera jamais Léa. Elle vit un moment atroce et j'essaie de l'aider. Moi, je peux pas. Quand je regarde Chris, tu sais ce que je vois, moi? Tu veux quoi? Tu sais ce que je vois. Je suis toute seule à table, moi. Je m'avais juste les mains. Voyons, on y retourne. Je sais très bien ce que tu vois, je comprends. Mais Chris est lié pour rien. Elle y est pour rien, Julien. Ouais, il y a du progrès côté aménagement. J'ai pris du rouge, ça va? Parfait. J'ai fait ma paella, la recette de ma mère. Ah, carrément. Salut. Salut. J'espère que t'as faim, parce qu'il a fait bouffer pour 6. Ah oui, c'est... En même temps, des coupables qui ont des têtes d'innocents, il y en a plein les prisons. Ah mais je dis pas qu'il est innocent. Je dis pourquoi des aveux aussi rapides et aussi détaillés. Je sais pas. Bon, maman, je vais regarder un film dans ma chambre. Il veut qu'on lui foute la paix. Il veut qu'on foute la paix à quelqu'un d'autre. Oui, si Jean protège quelqu'un... À cette heure-là, je fais quoi, moi? Eh ben, si tu t'ennuies, tu peux débarrasser. Salut. Y a rien dans tous les témoignages qui disent qu'il peut clairement Chris. Chris pourrait avoir tué Léa et Jean aurait brouillé les pistes. Enfin, reste à savoir comment et à trouver des preuves, parce que là, on a que dalle. Hein. On n'a jamais retrouvé l'autre bout d'oreille. Non, ni sur elle, ni dans ses affaires. Je vous ai tout dit. Pas tout à fait, non. Cette nuit-là, Léa avait trouvé la boucle d'oreille de Chris dans la voiture de Romain. Une petite plume en argent. On l'a jamais retrouvée, ni sur elle, ni dans ses affaires. Vous vous souvenez de l'avoir prise? Elle a dû tomber? Non. On a tout passé au peigne fin, elle était ni à Miribel, ni à la tête d'or. Je sais pas. Ok. Qu'est-ce que vous avez fait de la brique qui heurtait Léa?
Je l'ai balancé, je crois. Ça change quoi? Vous avez mes aveux? J'ai rien à dire de plus. Attention, ouais. Ouais. Tu vas où? Chez moi, chercher des affaires qui restent. Pour Alma, oui. Oh, je sais que je suis en machine, enfant. Bon, ok, d'accord. Bon, allez, à tout petit boudin. À tout. Oui. T'es sûre que tu veux pas que je t'attache les cheveux? Tu serais mieux. Non, oui, j'ai dit que ça me va mieux comme ça. Ah, d'accord. Alors, si Louise dit que ça va mieux comme ça, bien sûr. Salut. Bah, eh oh, je veux un bisou, moi, quand même. Bah. Ah, d'accord. Ah, bah, là, je comprends mieux. D'où ça sort, ces boucles d'oreilles? Je les ai trouvées. Zoé, je les connais, elles sont à Chris, c'est moi qui lui ai offertes. Mais elle est d'accord pour que je les mette. Chérie, il faut que t'arrêtes de piquer les affaires des autres, d'accord? Puis t'es beaucoup trop jeune pour porter ça, je suis pas d'accord. C'est pas juste. Oh, c'est dur la vie. Bonne journée quand même. Louise. Bien sûr, vraiment, elle est adorable. J'aime beaucoup Audrey, vraiment. Bon, c'est quoi le problème? Mais je sais pas, c'est bizarre. Dès qu'on est ensemble, elle est bien mal à l'aise. Ah ouais, mais t'es la belle-mère, hein, c'est ce que je te dis. Oh non, arrête avec ce mot, je t'en supplie. J'ai l'impression d'avoir 102 ans. C'est un cauchemar. On y va? Oh putain, on est à la bourre. C'est à 14h l'esthéticienne. Ouais, mais je sais pas si j'ai envie d'y aller, moi. Ah non, ça va te faire du bien de te faire tripoter un peu le visage, de penser à rien. Ah si, non, mais je discute même pas, hein. Et puis c'est tout, hein. Mm-hmm. Non, mais laisse, c'est pour moi, là, c'était trop, laisse. Non, bah, ok. Merci, ma petite chérie. Oh, regarde, alors ça, c'est ce que Zoé portait ce matin. N'importe quoi. Je sais pas ce qu'elle a en ce moment, elle pique des trucs à tout le monde. Elles sont pas mal, hein. Bah ouais, mais elles sont pas de son âge, quoi. Hop. Est-ce que c'est du mien? Vas-y, dis-moi. Oh ouais, c'est pas mal. Franchement, ça va très bien. Trop. Ah ouais, tu devrais te faire percer les... Ah bah ouais. Bah ouais, je les adore en plus. Bah attends, si tu l'avais, y a pas de raison, on va la retrouver. Tu l'aimes, chérie? Tu cherches? Alors maintenant, tu vas me dire ce qui s'est passé, sinon je te colle en garde à vue. C'est un vieil embrouille de merde en plus, voilà pour une connerie. J'ai trouvé une boucle d'oreille dans ma voiture. C'est con. Les mondes, c'est quoi? Quoi? C'est la boucle d'oreille de Chris? Qu'est-ce qu'elle fout là? Je sais pas, elle a dû la paumer quand j'ai accompagné chez elle. Elle est la banquette arrière, tu te fous de ma gueule là! Mais elle l'a paumée quand elle a pris ses affaires, j'en sais rien, putain, Léa! Flo?
cherchais juste un chemisier. T'as les deux boucles d'oreilles. La deuxième que Léa avait prise dans la voiture de Romain. On l'a jamais retrouvée. Donc si tu l'as, ça veut dire que... mais elle est très faible. Le pronostic vital est engagé. Votre fille veut vous voir. Thank you.
Et ça n'a pas voulu ce qui est arrivé. Léa était furieuse à cause de Romain. Je crois que Chris a essayé de lui expliquer. Qu'est-ce que tu fous là? Elle aimait vraiment Romain. Je vous ai vu avec Romain. Ah, tu nous as suivis? Mais si, tu nous as suivis. Mais t'es vraiment pathétique, ma pauvre. Écoute, Léa, je suis désolée, d'accord? J'allais t'en parler. Ah ouais? Tu crois qu'il t'aime, Romain? Mais il en a rien à foutre de ta gueule, Romain. Tu sais comment il t'appelle? Tu sais comment il t'appelle? Il t'appelle le clone. Oh. Mais ça y est, tu nous rejoues la pauvre petite Chris qui a perdu sa maman. Triste, triste, triste. Tu sais quoi? Va donc appeler ta mère, dégage! Appelez les secours! Oh non! Oh non, c'est pas vrai! Mais qu'est-ce que vous avez fait? Il y a une chose que j'ai jamais dite à personne, même pas à Julien. Si ma femme est morte. Je m'étais endormi au volant. C'est moi qui ai privé Chris de sa maman. Elle avait à peine 11 ans. Je me suis juré que je ferais tout pour elle. S'il te plaît, ne me laisse pas tousser, je t'en supplie. Je suis désolée. Tu vas faire tout ce que je te dis maintenant. Tout ce que je te dis. Quoi qu'il arrive. Thank you.
me devez un dîner. Je vous préviens, je suis nulle en cuisine. Whatever way the same, nothing according to plan. If I could just see clear into you, the same face every day, the sirens calling away. The floating boat is carrying me, and I can live my story differently. The grid is iron shoeing all around me while I sing. Oh, 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 oh. And in my sleep, nothing's same, nothing. Floating.